Bon. Rebonjour, hein, c'est encore moi. Ça dit que ça ne fait que me tarot. Ça dit que ça, dans mon esprit, là, ça tarot, ça trotte dans mon esprit. Je suis encore venue. J'ai dit, oh. Dans moi, ok, qui a la vidéo de Ngoï depuis l'époque que j'étais dans sa team de merde, là. Où elle était en train de... T'as dit qu'elle était sur un micro, c'est-à-dire que le genre de chanson qu'on doit prendre le micro, là, qu'à l'opéra. Ce n'était même pas son amoureux. J'ai dit, la vidéo, là, j'ai encore ça. Parce que vous savez, quand les choses comme ça arrivent, surtout quand j'étais dans la team, là, on m'a envoyé ça jusqu'à WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook. On s'est assuré de m'envoyer. On a dit que voilà celle que tu dis que tu élèves, qu'elle est star. Regarde ce qu'elle fait à l'époque. Le micro, là, j'ai dit qu'elle est noire comme le bibinga. Le bois noir qui est au Cameroun, c'est quoi? C'est le bibinga. Ta micro, géant colofu, c'est-à-dire que immense, même sa bouche là inexistante, qu'elle injecte le botox là, elle n'était pas capable d'encaisser tout ça. La vidéo est là, j'ai dit que la vidéo est là. Merci pour les étoiles, mon ami Jacques. La vidéo est là, donc oui, en train de me dire neta micro, c'est-à-dire que le genre, et ce n'est même pas son amoureux, c'est un client, oui. C'est elle qu'on voyait sur ça. Correctement et bien. Oui. Ils ont utilisé la capture d'écran de cette vidéo pour insulter ma fille de 8 ans le jour de son anniversaire. Parce que vous pensez que pour atteindre quelqu'un, il faut toucher ses moments jouissifs, prendre ce qui concerne les parties basses, en bas de ceinture, pour la descendre. Ça, c'est votre mode opératoire. Mais ça fait longtemps que ça ne fait plus rien aux gens. Ngo Lolo, on a la vidéo de Lolo, on a attaché les lianes, on n'a pas attaché vrai ou faux, rien à foutre. Elle était avec son amoureux. Gospute, si on te sort avec Achille, rien à foutre. On te sort avec Thierry, rien à foutre. Même si tu attaches ton pied sur le poteau que je vois ici, rien à foutre. Ben, ce sont tes amoureux. Vous voulez même quoi aux gens sur les réseaux? Lolo, est-ce que ce n'était pas son amoureux, Otam? Est-ce que Otam n'est pas sorti expliquer ça? Vous voulez quoi? Ngoï a publié Lolo. Bien, ça dit qu'elle est terriblement comme veuve l'a fait. Même si c'est que c'est veuve qui a donné le coup d'envoi, Ngoya aussi fait. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de dire que oh, c'est seulement si vous cherchez à blanchir ce qui n'est pas blanchissable. Il faut arrêter un moment donné. Je dis que j'ai la vidéo de Ngoya Loja que si je veux que ma page se ferme, je mets ça maintenant. J'ai ça. Oh, vous voyez, non? Je dis que le Colola, quand tu vois ça, tu dis yo. Et c'est un client. C'est même pas quelqu'un qu'elle connaît. Mais elle prend un plaisir à chanter sur ce micro-là. Oui! Quand vous avez dit que pour détruire quelqu'un, vous allez seulement prendre ces moments justifiés. Lolo était avec son amoureux. Si cette vidéo existe, balancez, on quitte sur les problèmes. Lolo était avec son amoureux. J'ai dit ça, hoha. Et ça ne va pas chauffer. Donc moi, quand Ngoï combat, me met dans les sites porno, met toutes sortes de choses, prend la photo de ma fille, colle avec son plantain. J'ai dit que si vous, je vous mets, mais me dis, colo vous, mon colo, tout vous, chaye colo là. Le plus grand plantain de la planète. Où elle avait trouvé le client là que, oh. Oui. Oui, en plein exercice de ses fonctions. Oui, il faut le dire. Voilà. Est-ce que j'ai mis la vidéo depuis que Ngoï est sur moi? Question. Est-ce que j'ai même fait monde de cette vidéo? Question. Est-ce que j'ai même décidé de poster, même d'envoyer, même dans WhatsApp pour qu'on diffuse? Question. Parce que les moments justifs des gens ne m'intéressent pas. Pourquoi vous ne pouvez pas grandir? Pourquoi vous ne pouvez pas grandir? Pourquoi vous voulez toujours vous mettre à prendre les ébats des gens pour les détruire? Pourquoi? Vous allez grandir quand? Pourquoi vous ne pouvez pas grandir? Ça nous fait quoi? Si une fille est avec son chéri et ils font leur show, vous savez ce que les couples font à deux quand ils sont dans leur lieu secret? Vous savez? Vous savez ce qui peut se passer dans quatre murs? Dans ces choses de cochon, que cochontisme, que tout ce que tu veux? Pourquoi vous venez nous mettre ça? Est-ce que c'est une manière de dénigrer quelqu'un? Est-ce que ça le dénigre davantage? Au contraire, ça peut même encore mettre d'autres... Eh merde, cette piche-là, je n'ai même jamais essayé. Ça peut même réveiller les gens à faire les choses. Parlez aux gens que vous attaquez avec les propos qui permettent de les mettre, les recadrer. Comme je suis sur Ngoï depuis. Vous avez vu, je n'ai dit bien, j'ai cette vidéo-là. C'est-à-dire que, comme maintenant, Zoukambe, même c'est mon bureau,
Si elle tente, on va se fermer mon bureau. Il va accepter qu'on ferme mon bureau par rapport à quoi? Je n'aimais pas. Mais si tu vois la vidéo, tu as la chair de poule. Me dis à Colo, sa petite bouche qu'elle injecte les botox ne pouvait pas prendre le planté au complet. Dans cylindre, périmètre, planté, faut bon état, périmètre. Vous parlez à qui? Faut arrêter. À un moment donné, attaquer, c'est-à-dire répondez à vos cibles. Ne profitez pas de la pluie pour faire des sels dans le torrent. Voyons. J'ai dit la vidéo là. Les anciens gens de Facebook qui connaissent. C'est la magie de la vidéo. Elle avait son petit visage, sa petite bouche en train d'essayer de prendre. Maintenant qu'elle met le botox, peut-être ça peut m'aller. Ouais, peut-être ça agrandit la bouche. Voilà quelqu'un. Et vous allez vous asseoir, celui-là de Proxo Promaro, vidéo. Toi-même, tu es enregistré à Bounabiri dans la maison de Ngoy. Ngoy a enregistré le boxeur. Sous ce sur les caméras, elle a appris ça chez toi. Elle est venue travailler à Brive-la-Gaillarde. Elle a vu les caméras, elle a eu l'idée de mettre chez elle. Chez elle, quand quelqu'un s'assoit sur son fauteuil de dehors, elle dit que qu'est-ce qu'il fait sur la chaise. Elle surveille la maison minute by minute, seconde by seconde. Quand on sonnait, dit c'est qui a sonné. Vous voulez même montrer qu'aux gens. Faut arrêter. Lolo était l'amoureuse de Otam. Lolo nous raconte, dit que Otam lui-même a raconté. C'est le gars de Lolo que amoureux que m'aide. Si elle n'était pas avec Pape Fondja, c'est qu'elle avait Otam. Oui, faut arrêter. Non, on en a marre. Vous prenez toujours les moments jouissifs déjà. On a tant ceci, tant nudité. Vous pensez que mettre quelqu'un dos au mur, c'est la nudité. Il y a plein d'autres choses qui peuvent vraiment clouer quelqu'un dans un combat. La preuve, je n'ai jamais mis les 100 caleçons de Ngoy, mais j'ai mis Ngoy au sol. Ngoy a couché par terre. Ngoy ne peut plus se lever. Je vous dis ça. J'ai commencé à dire ça, ça fait 3 ans, vous avez refusé. Ngoy, c'est les flottants. Ngoy fait seulement le vous là, c'est les restes. C'est les restes de Ngoy qui restent. Je vous dis ça. C'est fini. J'ai rompu le contrat. J'ai anéanti les bêtises. J'ai mis ça au sol. Dans l'heure juste et la vérité. Je n'ai rien inventé. Les gens disent parfois tu es jalouse. Elle n'est même pas enviable en rien. Il n'y a rien qui est bon sur elle. Doublé avec son métier, sa carrière professionnelle même. C'est quoi qu'on prend sur quelqu'un comme ça? Non, mais allô quoi? Domina. J'ai dit qu'une fois matin. Vous avez compris non? Fois matin. Ça va faire quoi? Donc on va mettre Lolo avec Otam, que Otam a attaché, c'est vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Monter ou pas monter, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Je pose la question. Non mais allô quoi? Vous exagérez quand même sur les réseaux des vieilles femmes de cinquantaine, les cinquantenaires. Vous avez fini votre vie ratée. Jusqu'en gospel, tu es venu dire qu'elle est une blogueuse, qu'être blogueuse, c'est pas facile. Est-ce que faire les vidéos, c'est facile? Tu fais les vidéos, tu as quel contenu dedans? Depuis que tu fais les vidéos, chacun fait les vidéos, c'est facile. Tout le monde fait les vidéos. Même Mboumkena fait les vidéos. C'est même toi ça, qui est devenu sa productrice à Mboumkena. Tout le monde fait les vidéos. Les nouveaux faiseurs de vidéos sont là. Oui, mon ami. Oui, les nouveaux faiseurs de vidéos. Je garde bientôt les vous prendre en commentaire. Et qui est? C'est quoi ça même que tous les jours, on a ton nudité, on a ton... Ça fait quoi en fait? Vous pensez que clouer un être humain, c'est montrer sa nudité? Si quelqu'un est en train de faire son yamo... Mais il est dans le yamo, pensez à l'état d'esprit qu'il anime pendant qu'il le fait. Ce n'est même pas une souillure. Il faut arrêter. Trouvez des bonnes choses pour clouer vos adversaires. Allez-y lentement sur eux-mêmes. Je peux vous donner la stratégie. Moi, je suis une stratège. J'ai mis Ngoy au sol. À tous les niveaux. Je vous démontre mathématiquement. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffera jamais. Vous avez compris, non? Regardez-moi ça. Lolo, c'est ici. Quelle bonne bête. Une jeune. N'a même pas honte. En plus, c'est son amour. C'est comme si on prend ma vidéo et mon chéri. Le sang de ma veine, on vient mettre sur Facebook. Heureusement, je ne fais pas les vidéos, mais si je faisais. Vous savez que ça va me faire quoi? Avec mon mari de mon bonbon alcoolisé. Mais vous allez seulement baver. Ça dit qu'il y a les mots que je n'ai pas envie d'utiliser. Oui, vous allez baver. Vous allez, comme ça. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous allez faire quoi? Quelle affaire? La veine ne fait pas que je vous prie. C'est un morceau de bois. Bon, comme chéri. Gens comme ça, là, vous venez, vous poussez même les biens, gens comme nous, comme ça, à pêcher. Depuis, on fait que pêcher, on ne sait même pas. Regardez-moi ça. Ça, c'est cette rue. Je crois. Allez, tourner. Je crois que c'est ça. Allez, cette rue-là. C'est ça, ok.
pousser les gens à pécher. Les gens sont là, une petite vie tranquille. Vous les faites pécher, 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 pécher. C'est quoi, vous? C'est quoi, vous? On a laissé ici des lolos avec Otam. On ressort la vidéo. Otam a parlé. Oh, ma foi est blanchie. Moi, c'est le tribunal. Votre ma foi, c'est une sorcière ambulante. OK? Je dis ça, Oha. C'est qu'elle a fait de mal aux gens. Elle n'est pas capable de se repentir de ça. Elle n'est pas capable de reconnaître ce qu'elle a fait de mal aux gens. Elle va, tant qu'elle ne se répand pas, elle ne se relève pas sur Facebook. Je vous ai dit ça, ce n'est pas négociable. Elle va que tourner comme ça, flottant beau. Ça ne chauffe pas. Je vous ai dit ça, ce n'est pas négociable. C'est comme ça. Et qui est? C'est même la blague. Gnon, 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 tout le temps, tout le temps. Hey, pardon. Excusez nos vies. Regardez-moi ça. C'est deux voix ici, non? On dit que c'est pas. C'est deux voix. Regardez-moi ça. T'es sérieux là? On a fait comme si ma foi, ma foi, ma foi, ma foi, ma foi, ma foi, ma jalouse de foi, jalouse de qui, maman? Jalouse avec quoi? On réfléchit ce qu'on va faire avec quelqu'un. Vous dites que nous sommes jaloux. Jaloux de quoi? Une femme instable, mentalement instable, psychologiquement instable, financièrement instable, stratégiquement instable, familièrement instable, tout instable. On est en jaloux de quoi sur elle? Sa mère là-bas, elle a laissé sa mère. Elle est en cavale sans issue, en train de ramasser les 1 dollar, les 1 dollar aux États-Unis, danser. Quand, regardez, on me donne, regardez, tout ça là. Sa mère est abandonnée à elle-même. Manger des spaghettis en canette. Par là qui? On va prendre quoi sur elle? Une bête née. Vous l'entendez qu'elle amène sa mère en bain pour égaler sa cour. Gosse pute. Et voilà. Personne pour attraper l'autre. Ngueur, on a la vidéo de Lolo. Ngueur, on a la. Mettez la vidéo de Lolo, on quitte ici. Il y a vidéo Lolo. On quitte ici. Tu m'embouches là. Ouf. Lolo était avec son amoureux. Bonjour, Mama Fonufinga. Oh, merci pour les étoiles, ma personne personnelle. Les marabouts n'ont pas de place ici. Voilà. Les marabouts n'ont pas de place ici. Voilà. Merci, merci. Mettez toujours un peu des étoiles parce que Zoukembe va faire le bonus sur ça, maman. Hey, c'est parce que son bonus est multiplié par 5. Mettez aussi, non. Who do you have Tatos for next? Ça veut dire quoi, Tatos? Que nous chou. Tatos, bon, mega. Vous croyez pas ce que ça veut dire? Hein? Voilà. Me voici. Merci, ma personne personnelle. J'ai dit, oh, ma question. Pourquoi, OK, certains camés, jusqu'à le Proxo Pro Max vieille parle, que oui, on a le session. Tu as déjà dans ta boîte de données, ton télé, ton ordinateur, tu as dit que quand tu mets play, ça fait play, là. Tu as déjà dans ton ordinateur toutes ces femmes qui sont passées chez toi, y compris les filles qu'on connaît, les camés et les n'importe qui. Tato, faut ces tatouages. Papa, qui a le tatouage? Est-ce que tu vois que j'ai le tatouage? Moi, je ne fais pas les tatouages. Moi, je n'ai pas besoin. Hein? J'ai le micro bébé là. C'est ça qu'il dit. Le micro bébé là. Le micro blading bébé là. J'ai le micro bébé là. Et puis, ça fait quoi? Ça te regarde. Si c'est mon soeur Nyanga que j'ai fait, où est le problème? Je ne mets pas les fonds de teint. Je ne mets pas beaucoup de choses, c'est quoi? Je ne fais pas, je ne tire pas les choses pour mes scènes, là, c'est quoi? Tu me prends quoi? Hein? Tu veux que je vienne faire des tatous chez toi? Tu dis que quoi? Je ne me fatigue pas, bon. Je dis ceci. Pourquoi le Proxo Pro Max, il y a toutes les vidéos des femmes qui sont passées dans son centre. Le Proxo Pro Max, il y a toutes les vidéos des femmes qui sont passées dans sa maison close. Oui.
pourquoi il vient parler que Lolo a une vidéo avec Otam? Si Lolo, quand vous avez des, quand vous n'avez rien à dire sur quelqu'un, fermez vos bouches. Pour le moment, tu es dos au mur. Proxopoma, tes plaintes sont en train de se multiplier dans nos inbox avec les problèmes de bananeraie. Que tu as dit que tu sortais les plantations de bananiers et que tu sortais aussi les poulaillers aux gens. Et au jour d'aujourd'hui, les gens cherchent ça, ils ne voient pas. Les gens sont fâchés. Les gens sont fâchés. C'est toi qui as dit, c'est pas non. Tu comprends, non? Donc, monsieur le Proxo Promax, tu dis que tu vas venir sortir la vidéo de Lolo avec son amoureux. Donc, une femme et son amoureux font leurs choses. Ils filment leurs choses pour leur moment que quand on se sépare, on revoit. C'est ça que j'ai toujours dit à mes fans. Ne filmez rien dans vos moments de joie. Vos moments jouissifs, ne filmez rien. Ne filmez rien. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça, même en coaching de gestion matrimoniale. C'est pas la peine de filmer. Chérissez dans votre cœur. Souvenez-vous dans votre cerveau que oh, c'était bon, hein, c'était bon. Hein. Des affaires de même. Mais ne filmez rien. Parce que demain, là, le téléphone peut se perdre. Quelqu'un a accès et il prend, il met partout. Nos enfants, même, ont souvent nos téléphones. Oui, oui. Il a besoin d'argent pour aller continuer la plantation. Il a frappé les gens. Donc, il cherche à faire comme s'il est un conseiller. Oh, quand tu connais quelque chose, dis à ton frère. Toi qui connaissais qu'on louait les maisons pour faire le proxo depuis 10 ans, tu as dit à qui? Pour que les autres louent aussi pour faire l'argent. Tu mettais ta cravate 5, 3 pièces. Tu venais insulter les gens parce que tu prenais l'argent du proxénétisme. Même pas laver le ventre. Tout mou, je ne lave pas. Et même pas brosser les dents. Tu sais pas, les dents sont jaunes, le visage n'est pas lavé. Et quoi t'es fait? Je ne lave pas. Bessie, je te bloque. Regarde-moi quelqu'un. Toi qui laves ton visage, on connaît que tu ressembles à quoi. Je t'ai bloqué. Regarde-moi quelqu'un. Je ne lave pas. Vous pensez que je suis en train de vouloir paraître quelque chose? Vous pensez que je suis encore dans l'air, que j'ai envie d'être ce que je ne suis pas? Moi, je ne suis pas comme ça. Les gens qui demandent d'entrer au direct, les Mohamed Brakatala, je ne vous prends pas. Vous allez venir dans mon direct et vous branler. Sinon, maman, prends pas moi. Faites attention quand vous êtes en direct. Les noms arabes là viennent vous demander. Des fois, ils sont dans le direct déjà prêts. En train de faire les conneries. Ils pensent comme on vous a mis dans les sites bizarres. Ils pensent qu'on les a mis, que machin a fait ceci. Eh, hey, pardon. Que tu es en train de chercher le piment. Moi, je suis pas, je cherche pas les clients. Hein. Je suis pas comme les filles là. Ils sont dénudées en train de faire les directs pour chercher les clients. Je n'ai pas besoin, moi. Je suis une femme servie. C'est bon, hein. C'est bon à moi jusqu'à. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions pour la maman? Les gens bizarres, je ne vous prends pas. Laissez Lolo tranquille. Si vous avez la vidéo, balancez, on quitte ici. Nous, on a engoyé avec un client, plantain géant de ses géantudes. Ah, ma faut dire que quoi? Ngoï dit que quoi? On laisse tous les différents. Ngoï doit demander pardon. Parce qu'elle arrête ses conneries. Ce qu'elle parle avec ses lèvres, elle ne le pense pas dans son cœur. Elle doit demander pardon aux gens qu'elle a offensés. Voilà. Respect pour tout. Qu'elle quitte là-bas, dis donc. Elle cherche des actes. Elle est partie aux États-Unis. Prendre ton sang, banjour. Mettre les vieilleries qu'on lui a donné, les bottes, qui les déserteurs bottes qui ne la suffisent même pas. Elle est venue se moquer de moi et de mes bottes à Paris. Elle, ces bottes-là, ça ne suffit même pas. C'est comme si on accrochait les bottes sur le sein. Elle dit qu'on doit faire la paix. Moi, tout mou. Demande pardon aux gens que tu offenses. On a chiffré les gens. On les a ciblés. Demande-les pardon. Ma faune tout mou. Tu as compris, non? Saleté. Sapa. Futur mère de mairesse zout de Fokwe. Chimbrou. Gardez-moi ça. Vous avez dit que vous pouvez, que vous êtes les leaders. Une femme avec 100 vues vous a mis au sol. 50 vues. Maigre vue vous a mis au sol. Me voici. Vous êtes traité aller et retour final. Vous avez accepté que vous avez volé sans voler. Mbam tchokéi. Voilà. C'est comme ça. Blaguez. Pensez que c'est tout le monde qu'on joue avec. Tous les gens et tous les ans. Merci beaucoup, Charlie. Quand c'est la fin d'année, moi, elle fait la paix. Est-ce qu'elle le pense? Ça, pas comme ça. Allez faire vos publicités ailleurs. Hein. Je masque ou je fais comment même. Je supprime ton commentaire pour le moment. Va faire ta publicité ailleurs. Tu as partagé mon direct. Regardez-moi ça. A fait ta publicité loin. Voilà. Ma faut dire que ma faut tout mou, ma faut fou moine. Qu'elle aille s'occuper d'Anangrenga.
qu'elle prêche pas les actes, qu'elle va s'occuper d'Anna Nkrenga, nous, on va la considérer. Anna Nkrenga souffre. Elle mange les macaronis, les spaghettis en canette. On sort dans la canette, les concombres en canette. On pose là. Elle est dans les voyages, on te prend les 1 euro, les 1 dollar US. On verse elle là. Même se baisser pour ramasser, ça la dépasse. Dans Cambra, je nous mets dans la gaine. J'ai gagné, vous l'avez pas regardé, ça coupé. Elle parle à qui? Maf. Vous avez la vidéo de Lolo. Elle doit se repentir individu. Moi, elle peut laisser pour moi. Machine à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de me demander pardon. J'en ai rien à foutre. Toi et moi, c'est jusqu'au ravin. On ne se parle plus. C'est bon à moi. Toi et moi, c'est ennemi juré. Parce que tu n'es pas allé de main morte avec une personne qui a décidé de t'élever. Qui a collé son image et celle de son mari et de ses enfants à ta sale personne. Ta triste personne. Oui. Parce que je ne juge pas. Avec toi, j'ai appris à juger. Avec toi, j'ai appris à sélectionner qui peut approcher dans mes pavis. Imagine qu'un cam, je ne peux pas te laisser. Toi et moi, c'est balle au pied. Parce que la façon que tu t'es levé sur moi, c'était comme si tu voulais seulement m'envoyer au cimetière. Donc, hein, ouais. Toi et moi, on est seulement là sur ça. Regardez-moi ça. On me choque, une rate comme ça, là. Une femme reconstituée. Elle rêve tous les jours comment elle va faire pour être avec mon chéri. Mon chéri ne drague pas les femmes comme ça. Hein. Il aime les femmes que c'est le crayon de Dieu qui les a créées. Chimbrou. Sans gomme. Elle est brûlée, même il est là. Chimbrou. Elle a cru que ses pratiques devaient fonctionner. Elle devait mettre ma famille et ma belle famille sur mon dos. Imbécile. Imagine à quelqu'un. Moufoumouane. Va t'occuper d'Anna Nkrenga. C'est ta croix. Are you fan touch? Quand Dieu décide de prendre tes parents, tu as mal, tu dis Seigneur, pourquoi il fallait laisser ma mère, mon père qui vivent encore, que je sois encore avec eux, que je l'ai. Avec du recul, tu te dis que c'est lui qui sait comment il fait les choses. Tant t'as laissé Anna que c'est ta croix. Voilà que tu ne peux pas t'envoler. Tu cherches qu'on donne la maison à Anna pour que tu fais proxo dedans. Tu as à la maison d'Angers où tu fais proxo. Petite samsirlée que tu sois, tu parles à qui? Ouf. Maman, ouf. Ta vie est versée dehors. Waouh. Mon bébé Coco a fini avec toi. Pour le moment, Coco est malade. Elle a mal à la gorge, l'angine et tout. Mais quand elle va finir, là, si tu continues encore avec elle, elle revient sur toi. C'est comme ça. Il n'y a pas à faire de Noël nouvelle. La Noël, c'est un jour de 24 heures comme tout le monde. Oui. Je suis la colle forte, Happy. On ne joue pas avec tout le monde. Imagine quelqu'un croit qu'elle va jouer et venir. On va dire, ma faux. Pas avec moi. Je ne joue pas avec la vie des gens. Je ne joue pas avec les sensibilités des gens. Je ne permets pas qu'on le fasse avec la mienne. Je suis désolée. Je suis allée à Paris, ma chose. Je n'ai même pas géré l'entrée dans mes bottes. Que mes bottes sont ceci. Là, voilà qu'elle est partie aux États-Unis. Une abeille lui a acheté les bottes en plastique. Le genre de bottes que tu mets même les chaussettes sur ça, la maman. La quantité de sueur que tu as. Quand elle enlève les bottes, ça n'oumba. Les bottes sont dures dessus ses pieds. C'est-à-dire que c'est comme si on a accroché le cintre sur un pied. Tu vois quand on met la veste sur le cintre. Une botte qui ne doit même pas avoir de passé. C'est rigide. C'est même pas le cuir. C'est le plastique, tu kaouma. Elle vient par là qui? Mouf. Toi, la mariée qui supplie. Oh, maman, sans supplier, maman, terriblement mariée, mairie, église d'autres. Oui. J'ai dit qu'elle mairie, et que votre magina, personne ne l'assume. Coco l'a vomi. Je lis ton commentaire anti-tout. Ou c'est anti-tout. Après, je te bloque. À un moment, il faut arrêter. On sait bien que le gars est dans ta vie juste pour que tu ne meurs pas d'AVC. Imbécile! Tu crois qu'elle peut me suicider pour quelqu'un? Je suis débloqué. Et pour que tu ne meurs pas d'AVC. Bon matin, ma sister, tout de cœur. Comment tu vas? J'ai dit qu'elle est terriblement mariée. Maman, tu as vu le man? Personne n'assume Flore Magina quelqu'un, votre patron. J'ai dit personne. Aucune femme, aucun homme. Elle allait même jusqu'aux États-Unis. Les gens qui ont donné 1 euro dans l'Ongada, c'est les maris d'autrui. Qu'elle ne tente pas. Je parle et je parlerai jusqu'à ce que la salive finisse dans ma bouche. Vous m'avez cherché. Vous me cherchez, vous me trouvez. Vous ne me cherchez pas, vous ne me trouvez pas. Je suis brûlée. Les marabouts là-bas, les gens là-bas. Je suis nyoko. Tout, non? Vous avez compris, non? Voilà. Vous avez cru que comme vous avez beaucoup d'abonnés, vous allez. Maman maigre abonné, mais vous ne me mettez pas. Je suis suivi jusqu'à la présidence. Papa bien me suit. Vous avez compris, non? Marche en tout me suit. C'est comme ça. Je vais vous redresser sur le fait que vous allez respecter les gens. Chibabouchou. Les marabouts n'ont pas de place ici. Allez voir Magina Kenkam. Elle veut le raccourci de la vie. Nous sortons chaque matin au travail.
C'est-à-dire, on fait notre travail. Nous, aux 2 semaines, on a notre paye de chèque. On divise, on additionne, on soustrait. On essaye de faire comme on peut. Voilà. C'est comme ça. On n'est pas dans les choses. Mm-hmm. Un point, un trait, ma sistou. Elle dit que je supplie, je sais. Si maman, quand tu es en mariage, tu dois être capable de demeurer marié. J'ai bien dit terriblement marié. Compte le demeurer, travaille pour le demeurer. Je te bloque, imbécile, fais mal, je suis une toumou. Va enlever le nom de ma famille, le nom de mon mari, mon nom dans les sites porno. Je n'arrête pas. Tu vas me faire quoi? T'es bloqué. Imbécile, toi aussi, arrête une toumou. Tu veux faire quoi sur mon mur? Quand ta belle, imbécile, je te bloque aussi. Ta belle famille te voit t'acharner, imbécile. Ma belle famille fut insultée par vous et votre patronat. Ma belle suite mom d'amour fut insultée par vous et publiée. Je vous répondrai jusqu'à la terre finie. Voilà, il n'y a rien de belle famille dedans. Vous cherchez les gens, vous allez confirmer. Voilà. Voilà. Regardez-moi, c'est imbécile. Donc, vous pensez que quelqu'un, une Samsung, va venir insulter les gens parce qu'on va dire que belle famille. Et ça, moi, je suis dans un mariage muselé. Hein? Je ne suis pas dans un mariage muselé. Je vous réponds, je vous bloque. Je vous réponds, je vous bloque. Voilà. Les photos sont versées. Ah, voilà, les gens ont mis les photos. Avec les chiens. Mais c'est quoi? Mais c'est parce que je vous tiens tête. Vous n'avez pas encore vu sur la toile quelqu'un qui vous tient tête comme ça. Je suis d'aucune team, mais ne fais pas les amitiés. Je n'ai pas un piment que j'ai vendu un camion qu'on va me repérer et m'envoyer la photo. Non, à part les montages de photos. Donc, allons-en-y avec les montages. Il n'y a pas de problème. Même avec les chiens, en plus ne voit pas, mais c'est pour Lolo qu'elle vient voir. Lolo au moins était... J'ai dit que Lolo était avec son amoureux, Otam d'abord. Je connais Otam, j'ai vu Otam, c'est un bel homme. Je le dis haut et fort. Otam, c'est un bel homme. L'autre jour, j'ai encore vu Otam au refuge. Il s'est levé, il a commencé à me cocher. Je l'avais vu d'abord au salon Hoche. Il est venu au salon Hoche, Otam. J'ai salué Otam. Il dit que c'est moi, Otam. Il s'est présenté. Donc, quand je l'ai revu au refuge, je l'ai reconnu. Il a dit, comment ça va? Viens me saluer. Mais je ne me suis pas levé. Il a dit, comment ça va toi? On s'est salué comme les drapeaux et puis c'est tout. C'est un bel homme, Otam. Donc, arrêtez vos conneries. Lolo ne sort pas avec n'importe qui. C'est un bel homme. Et même s'il était en mariage, même s'il n'était pas marié, c'est Lolo qui devait lui dire que occupe-toi de ta femme ou bien viens t'occuper. Les hommes font ce qu'ils font comme ils font là dehors. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais c'est son amoureux. Voilà. Franchement. Vous parlez à qui? Il dit que oui, on a ta nudité. Sors la vidéo, on gosse pute. 22 grammes, sortez la vidéo de Lolo, on quitte sur les problèmes. Je vous ai dit ça. Ça ne dérange pas, c'est avec son amoureux. Mais Ngoï était sur le plantain géant. J'ai la vidéo, la Facebook, Nathalie, Baba, les WhatsApp, partout, j'ai la vidéo là. On a même pris ma fille collée sur ça pour inciter. Quelqu'un vient me dire que ta belle famille. Si mon beau-père voit comment on a pris l'image de son enfant collée sur les choses, tu crois qu'il va refuser que je combatte sur ça, même jusqu'à ce que la salive. Ma famille, vous jouez avec, vous êtes malade. Franchement. Mm-hmm. Les photos de Ngoï sont versées. Je t'ai dit, je ne discute avec personne. J'ai dit que, ma chérie Melro, jusqu'à la gare. J'ai dit que, Yann, tu connais ton beau de beau, le sweet on est. Le sweet on est, le bonbon alcoolisé. Il n'y a même pas son deux. Vous avez compris, non? Bonjour, ma chérie Jeanne. Oh, tu fais comme ça ta famille. Donc, vous allez insulter les gens et penser que la famille, la belle famille, moi, ne fonctionne pas comme ça. Quand la famille me demande, j'explique. Quand la belle famille me demande, j'explique. Et vous, ce que vous oubliez, c'est que c'est avec mon mari qu'on allait élever cette sapaque. On a décidé de la produire. Et elle a décidé de nous détruire. Tout le monde avec. J'ai dit, toute la famille en a arraché pas mal. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'une qui... Les games se battent. Oui. Oui, Papa Fondia, c'est un bel homme, bien sûr. Je ne suis pas te dire que Papa Fondia... Lolo connaît les choisis. Et Lolo, c'est une belle femme. Fichez le camp, dis donc. Fichez le camp. Voilà. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Hé. Hey. Lolo n'est pas dans les choses. Quand tu vois Papa Fondia, un travailleur... Il rentre, il s'occupe de sa famille. Voilà. Voilà. Les malabous n'ont pas de place ici, s'il vous plaît. Bafondja, il va travailler, il rentre, il prend soin de sa famille. Oui. Franchement. C'est sérieux. C'est sérieux. Une sapate comme ça, là. Venez, vous dites que vous avez les choses. De... Lolo était avec son amoureux. C'est là la différence. Donc, hein, elle vous dépasse aller et retour. Il y a un profil qui s'appelle Lolo vous dépasse. J'aime le mot, là. Ça vaut vraiment son pesant. Lolo était avec son amoureux. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Et si avec son amoureux, il faisait leur show pour garder les vidéos, pour que quand il se sépare, il regarde encore la vidéo, et que quelqu'un est venu sur ça pour publier, Lolo ne peut rien faire avec ça. Voilà. Mal au fond, moi, même où.
Elle allait au pays voir son mari. On dit qu'ils font la plantation. Il est noir, comme les noirs, tout pourri du nord, là. Voilà quelqu'un qui a besoin de gommage. Ouais, Dorcas. Mayamse, Mamiton, c'est Mamiton. Mamiton, tu es fatigué. Il faut m'insulter, ma tête me dit, ça me fait quoi? Ouais, une femme dure comme moi, la maman. Ouais, mal au fond, moi, disparaît. Est-ce que c'est facile? La connexion au pays manque de respect. Elle avait dit qu'elle monétise sa page, qu'elle va au pays, elle va pointer les dos. Maintenant, là, est-ce que là, au pays, la monétisation ne fonctionne pas comme ici, hein? Donc, la monétisation du pays est un genre. Donc, il faut laisser. Ouais, Seigneur! J'ai dit qu'on dirait que je vais avoir la grippe ou le rhume. J'ai les yeux là en moyen. Bon, la gorge, un peu, bon, façon. Surtout les yeux là, maman. Je demande, franchement, on ne peut pas compter le lot avec ma orange ni Yamse. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas comparer. C'est incomparable. Lolo, c'est une femme qui a la stabilité. Je dis bien. La stabilité, vous savez que la stabilité, c'est quelque chose qui équilibre l'individu, surtout à un certain âge. Quand une femme a déjà atteint 35, 40 ans, elle a besoin de stabilité, mariée ou pas. Mariée, ce n'est pas une fin en soi. Quand je dis terriblement mariée, compte le demeurer, travaille pour le demeurer, c'est parce qu'il y a un travail de fond à faire. Sinon, on n'est plus en mariage parce que les jeunes d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui se laissent très vite. C'est-à-dire que pour un coup de tête, pour un oui, un non, on peut se séparer. Donc, c'est pour dire qu'il y a un travail. Donc, il y a un boulot d'arrache-pied pour rester, demeurer en couple. Donc, quand tu es marié, tu dois compter, demeurer et travailler pour demeurer. Ça, c'est mon slogan. OK? Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, Lolo, c'est une femme star parce que depuis 12 ans ou 13 ans, je ne sais pas si papa Fondia, ça fait 12 ou 13 ans, une femme qui sait qu'elle dort sous un toit, elle a un chéri qui va travailler et ramène de quoi pour nourrir sa famille, dont son épouse et son enfant, bébé Gloria. Franchement, elle est différente de celle qui vadouille. Parce qu'en plus de ça, elle vend le piment ici. C'est quand Thierry la portait pour mettre dans la voiture que ses mains se sont épluchées. Ce n'était pas le repassage. Boumine Jouba. Vous comprenez, donc Boumine Jouba. Voilà. Donc, du coup, Boumkena est même. Ouais, ma, veux-tu prendre tes noms si oui? Boumkena est là. Boumkena Boudnaz. Boumma Boumtoutkena Zalinchou. Nous grenier là ou une toute kena tam zo bunen nous grenier une toute kena ze grand mais c'est chez là une joue encore de kena encore de kena et puis to kena ban toute mib boulou en toute kena encore comme nan boum kena c'est le boum kena là quand tu la vois là sa face est crasseuse on dirait tu doses toi non maman j'ai rien mis ça m'a mis le gars j'ai les yeux là moyen depuis le matin mais bon c'est pas grave là. Écoute qu'est-ce que tu veux. J'ai seulement mis le gloss, j'ai même pas mis le rouge. Je suis pas. En tout cas, je tombe à vacances après-demain. Voilà. À des congés de Noël. On va être bien, bien, bien le temps des fêtes là. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a des idées de menus de fêtes là? Menus de fêtes. J'aime beaucoup les fruits de mer dans le temps des fêtes parce qu'en venant de Paris. Allô ma chérie, comment tu vas? Ça va bien. Oh, oh là là! Je te suis depuis l'Angleterre, ma chère. Enchantée, ma chérie. Enchantée, maman. Enchantée. Tu vas dire à maman. Ah, vite, ma chère. Je suis en train de faire ma bonne femme. On y a rejoint au son. On n'a que ma maman. Son goût pour ton bon Dieu. C'est mon compte de plantant. Ah, ganga. Ma base est ça, ma maman. Ah, tu sais, mon pour maman. Ouais, enchantée. N'a pas que je suis en train de faire. Ah, t'es chou, ma maman. T'es chou. Tu sais, mon bon Dieu. Je suis mort à son dos, moi je suis mort, je serai en coma. Ok. Ben, je suis là, je bangoula, donc moi, ma carte moula. Ok. Où l'aime beaucoup, quand je suis mort, c'est un peu ça. Ah bon. Eh, maman, naturel. Oui, maman. Naturel. Moi, je dis, pour moi, y'a mec. Ah, ça va pour, merci, chabonzu. Bye bye, maman. Bisous, chérie, bon, bisous, maman. Bye. C'est Iyamse Dundé qui voulait seulement me saluer pour saluer. Bonjour, ma Black Beauty, comment tu vas? Bonjour, Reine Mébio, la femme terriblement mariée, laisse les gens parler. Tous ceux qui vont parler, tu es la femme terriblement mariée. Ouais, j'ai dit que Lolo les dépasse. Je vous disais tantôt, Lolo a la stabilité. Vous savez, la stabilité d'une femme. Ouais, Véronique, donc tu es ma fille, tu es une tchanko. Tu es Tchanko. Hein? Tu es mon Tchachou. Tu es Tchanko.
parce que Bassonjo, Babanja, Bosha Bassonjo, Nyanamba Bassonjo, Ben Poyoba, mais c'est pas vrai. Parce que Sonjo n'a pas pour moi, Janko, voilà. C'est comme ça, on va donner un peu de points au Janko, mais si Sonjo, si je ne suis pas belle, Janko n'est pas belle. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis belle, le feu, ça. Quand elle dit comme ça, hein. Les mouches peuvent vous la laider, mais elle avait sa grosse tête de pâte, elle avait son long menton. Ses dents jaunes. Ouais. C'est ça. Donc, je dis que Lolo les dépasse. Lolo les dépasse, aller et retour final. Tu comprends, non? Tu es ma fille, Véronica Max. Voilà. Donc, mon fils qui est venu d'aimer au Canada, parce que voilà les gens qui ont fait leur vie, quelque Dieu a pris le crayon sanguin, essaye de tracer une trajectoire. Elle ne cherche pas les problèmes, Véronica Max. Son fils était au Canada pour 2 semaines derrière moi. Je n'ai pas pu le voir. C'est mon petit-fils, parce que je suis sa grand-mère, Sondio. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, j'ai dit que Lolo les dépasse aller et retour. Vous comprenez avec quoi? John Bob, la fille du commissaire, dit qu'elle est équilibrée mentalement, psychiquement. Vous savez, quand on veut faire un dossier, quand on appelle peut-être un organisme pour un dossier, même c'est médical, même c'est psychologue, même on pose certaines questions. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Êtes-vous c'est-à-dire vous vivez sous le même toit avec vos enfants, et travaillez-vous. Il y a pas mal de choses qui font qu'un individu est équilibré. C'est-à-dire que la pyramide de Maslow est rencontrée. Les besoins physiologiques. Ces vieilles chouettes, depuis qu'elles existent, qu'elles sont là en France, 20 ans, 25 ans, certains besoins physiologiques ne sont pas comblés. Donc, elles attendent. Les 1 dollar, elle prend la vie à vos États-Unis, elle prend 1 dollar, on verse au sol. Elle crie, ouh, on me donne mes abeilles, mes abeilles. Quand on mélange le paquet qui est au sol, c'est 100 dollars. Quand on l'a trop incité, elle allait changer en 50-50 pour venir montrer. Donc, hein. Oui, les talents, tes frères sont les talents, les menkats. Talents, c'est ça. J'accouche les talons et les djanko. Eh, ma fille Véronique, tu vois alors comment l'arachide tombe dans la peau. Qu'elle a voté, oh, ouais, ma fille. Voilà. Tu vois que les sondous n'accouchent pas n'importe qui. Oh là là. J'aime me vanter, mine de rien. Je dis que j'aime me vanter jusqu'à quand tu as besoin que la femme banante, on va faire comment elle est. On va faire comment elle est la femme. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. La stabilité de Lolo ne souffre de rien. C'est une femme terriblement en couple, terriblement. Et en plus de ça, elle a Lolo. Elle a sa sœur qui est sur les réseaux et qui est aussi mentalement, psychiquement équilibrée, rêve, que je salue ici et qui ne recule devant rien pour recadrer ces petites vieilles chouettes. Rêve, j'aime ton travail. Oui, ça prend les gens. Comme toi, tu n'es pas en train de faire le favori, tu ne fais pas les aide-moi de tête, tu les regardes propre, rêve bien, c'est bon, comme une digne fille d'une dé. Ça ne chauffe pas, on ne fait pas aux filles bangantes. Nous sommes des gens dans notre village, on a refusé les comment on appelle ça, l'esclavage. Pour dire bangantes, quand on est venu, on dit que non, vous devez vous soumettre, vous savez qu'on fait comme ça, quand vous dites tout de se soumettre en goy, jamais ne m'a. Je suis un homme qui a été jamais de la vie. Je suis un homme qui a été un jamais de la vie. Je suis que même si c'est un homme, même si c'est un homme. Voilà. Donc, c'est la maman de l'heure juste, celle qu'on ne présente plus. Baignant en arrivant, baignant en partant. Oui. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Ouais. Oui, les sondiers sont. Maman dit que. De Manuela assise, les jambes croisées. De Manuela, souvent quand il y a le direct, De Manuela vient mettre les yeux comme ça qu'elle a vu. De Manuela assise, les jambes croisées. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue. Elle a quelque chose en main. Le personnage a quelque chose en main. De Manuela, c'est quoi si ta main dans le personnage? Ouais, De Manuela, oh, vraiment. On parle comme ça, nous sortons de loin. C'est que vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui ont les oreilles qui peuvent comprendre vont comprendre, mais d'autres ne vont pas comprendre. C'est un peu ça. Bon, moi, je travaille, hein. Je travaille. Non, moi, écoute, je n'ai pas de temps à perdre, là. Voilà. Demande-nous. Quand demande-nous avant, hein, tu fais le dire. Demande-nous, viens avec un chien, ouvre le rideau.
Elle met même 50 rideaux dans le téléphone, mais les rideaux que je guette dans le... Tu sens que... Ouais, tu es génial. Merci beaucoup, ma chérie. Merci pour les roses, les fleurs, l'étoile. Mais envoyez les vraies étoiles, parce que Zuckerberg met le bonus, tu sais. Qui c'est comment? Vous voyez les vraies étoiles, il n'y a pas assez là. C'est comment? Vous êtes où? C'est que c'est le temps des fêtes là, il y a les dépenses partout. Le cadeau de Noël de votre star, c'est les étoiles. C'est tout. Pas plus. Les étoiles. Ouais, okay, Facebook. Demande-toi-même, tu te rappelles comment pour rien, ta soeur Tchankounia a dit que tu as pété. Pour rien. Elle a dit que tu as. Que, elle a dit que t'es ma poum poum. Pourtant, tu n'avais jamais pété. T'es pas nous s'est battu ici pour prouver. Elle m'a dit que je n'ai jamais pété. Imagine quelqu'un vient me dire ici. Flo, imagine quelqu'un, ouais, le marabout. Ouh, non. C'est pas facile. Hein. Vous parlez seulement ce que vous parlez, vous ne pouvez pas imaginer. Si tu mets les chaussures de la personne, tu marches sur quelqu'un qui s'est levé, il a tracé sa vie, il a vu comment il voyait sa trajectoire, et puis ça part comme ça. Moi, mon cas, c'est moi-même qui ai pris mes deux pieds pour aller là-bas. Choupka quoi, mesure, vinja man. Choupka quoi, mesure, vinja man. Oui, ma choupou, mon ami, ma choupou, me choupou, me gueule à eh, abonnez-vous, me gueule à me choupou, me gueule à ma choupou. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. 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 Bah, je ne sais pas le faire. Ah bon? Tu ne sais pas mettre les étoiles? Oh là là, comment on fait? Jacques dit un peu non. On touche sur l'étoile et on s'en va trouver un endroit qui te dit de choisir la quantité que tu veux selon ta carte bleue et puis tu mets la carte bleue. Ma Black Beauty, comment tu vas, ma beauté? Ça va, mon bébé? C'est ma Black Beauty, c'est qui s'assume. Elle n'a pas besoin. Vous parlez, c'est pour vous là-bas. C'est que c'est les gens comme ça que ça prend sur Facebook. Sinon, on n'allait pas éradiquer la gangrène. Un Yéman comme ça, il est venu mentir, qui fait des plantations de plantains et des œufs et des je ne sais pas quoi. Frapper les gens et puis il vient quand même à la charge et puis on va les laisser, on a peur de lui. Proxopromax. Toi, Amek, qui est en train de parler des affaires de Lolo là, toi et tes caméras, là, Ngoï t'a filmé, hein, à Bonaberry. Amuse-toi. Tu as pour elle, là, pour elle, c'est elle a pour toi. Nya, nya, nya. Pour vous, va vous nous trouver ici sur Facebook. Regardez-moi quelqu'un. C'est sérieux. Je donne 5 minutes pour les questions, je m'en vais. Hé, hey, qui est mon bébé? Je te manque. Viens me trouver au Canada, non? C'est comment? Prends l'avion, tu viens à Montréal. Merci pour les cœurs, ma chérie Raïssa. Merci beaucoup, bébé. Donc, tu prends l'avion, tu veux me trouver à Montréal. Je suis là. Je bouge. Fais, je vais voir. Je ne sais pas comment. C'est avec la carte bleue. Ça dit que quoi? Il y a, on dit, vous pouvez soutenir ma page pendant la diffusion. De machin, machin. Maintenant, il y a étoile. Tu vas voir qu'il y a un truc dans la barre d'outils en bas, il y a une étoile. Tu touches l'étoile. Quand tu touches l'étoile, ça t'amène. Oui, salut, moi, maman à Londres, même maman au pays. Maman Anne. Eh, notre maman. Eh, maman à Héro. Ma tante, la café fait Héro, c'est la magie. Tu lèches l'huile. Et même 3 litres d'huile, tu lèches tout. Rien ne fait. Vous avez compris, non? Donc, tu vois toutes les barres là en bas, là. Quand j'arrive à Paris, il y a tout son, le héros qu'elle a envoyé ce matin au congélateur. Je chope ça jusqu'à mes puits. C'est facile. La barre d'outils en bas, là, ma fille, il y a l'étoile. Tu touches l'étoile. Il y a un truc vert aussi. Le truc vert, c'est les abonnés. Ça veut dire tu dis que je vais m'abonner à cette page payant. C'est les abonnés payants. L'étoile, c'est. Je remercie les personnes abonnées payants. Merci vraiment parce que j'ai des gens qui s'abonnent payants aussi. Merci beaucoup. L'étoile, tu touches. Talinja, hé mon fils, oh mon tu pars depuis les Émirats, oh là là, tu es allé au Qatar, mon fils. Parce que Ngoya a beaucoup souffert, Ngoya a fait seulement 24 le brabaka klaxonné, bim 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 bim, reviens vite, à que tu sois. Elle voulait voir les autorités, tu n'as pas pu. C'est ça qu'elle a couru aller aux États-Unis voir si. Si non, les étoiles, en fait, c'est comment? C'est pas sur le iPhone. C'est que, voilà, je vais t'expliquer. Tu touches la barre qui est écrit étoile, tu touches l'étoile. Maintenant, quand tu touches l'étoile,
Maintenant, ça te donne un bloc d'étoiles. Ça peut te donner 50 étoiles. Je sais pas, ça commence avec 50 ou 5 ou 10. La Black Beauty, touche un peu, tu nous dis ce que tu vois, s'il te plaît. Donc, tu touches les étoiles. Ça ne te dit pas encore de payer. Hein, parce que si dans ton compte, tu as mis ton Apple Store, c'est ça, comment on appelle ça? iTunes, voilà, ton compte iTunes, tu as du crédit dedans. Mais moi, je ne conseille pas d'acheter des étoiles avec les iTunes. C'est mieux d'acheter des étoiles avec la carte bleue ou avec le PayPal, voilà. Donc, quand tu touches, là, il y a les étoiles. Dès que tu touches ça, ça t'envoie maintenant, Happy Girl, Happy Girl, Sama, yeah. Ça t'envoie maintenant dans un endroit où tu choisis 5 000, 1 200, 500, 50, 20, tout ce que tu peux selon ton argent. Peut-être c'est 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars, je ne sais pas. Et maintenant, oui, tu dois avoir une carte bleue. Oui, tu dois avoir une carte bleue automatiquement ou un compte PayPal. Moi, je paye les étoiles avec mon compte PayPal parce que mon compte PayPal est rattaché à mon Facebook. Voilà. Donc, tu cliques dessus et maintenant, tu envoies. Tu comprends, non? Tu envoies les étoiles. Tu choisis la quantité. Comme elle a dit, elle va envoyer un exemple bête. Elle a dit combien? 10 000. Elle a dit quoi? 1 million. Eh, pardon. 1 million, la personne va te dire que c'est 1 000 dollars. Je ne sais pas. Ou 500 dollars. C'est beaucoup. Hein? Oui, tu dois avoir la carte bleue. Oui, tu dois avoir la carte bleue ou le PayPal. Si ton PayPal est rattaché à Facebook, là, c'est correct. C'est ça. Tu peux avoir PayPal aussi. Mais carte bleue, c'est l'idéal. Oh, si tu n'as pas de carte bleue, tu ne peux pas. Bon, il y en a qui mettent aussi les étoiles en emoji, hein, étoile, comme les cœurs. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est comme ça. Tu dis qu'elle va envoyer 1 million d'étoiles. Maman, ça là. 1 million d'étoiles, là, va faire combien? Maman, c'est beaucoup. Hein. Par exemple, non, moi, je vois ceux qui ont envoyé. Quand je clique ici, là, non, je vois ceux qui ont envoyé les étoiles. Quelqu'un qui se voit, c'est qui a envoyé des étoiles, mais je ne peux pas. Ah, tu es au Togo, donc tu n'as pas de carte bleue. Voilà, parce qu'il faut une carte bleue ou un compte PayPal. Si tu travailles avec PayPal, tu as un compte PayPal, oui, et que tu rattaches à Facebook, oui. Bonjour, Françoise. Iki, les revenants. Maman, tu sors d'où, non, ma chérie? C'est comment avec toi? Ça fait longtemps, hein, Françoise. Hey, ma chérie Françoise, comment tu vas? Je voulais mettre 100 000 étoiles. Maman est happy girl, ça va être grave. Si tu mets 100 000 étoiles, mais Zouk me va dire que hey, comme il fait le bonus finit aujourd'hui, c'est le combien? Le 20 ou le 21? Le bonus finit aujourd'hui à minuit. Minuit heure de Canada. Donc, 100 000 étoiles peut même faire même 200 000 en argent. Ça, ça va doubler ou tripler. Parce qu'il y a un bonus. Oui. Il y a un bonus qui finit le 21. Et il y a un autre bonus qui reprend pour le temps des fêtes. Pour les étoiles, quoi. Que vous envoyez à vos... C'est important. Merci, Stéphanie. Hey, mon bébé, oh! Mon bébé, Stéphanie. Merci, ma Black Beauty. Elle a essayé, elle a testé, elle a envoyé 50. Voilà, c'est comme ça. Merci, ma Black Beauty, bébé. Merci, mon bébé. Tu vois, non, c'est comme ça. Donc, merci, ma Black Beauty. Merci. Donc, tu cliques et puis tu fais, en fait, tu fais l'envoi. Mais avec la carte bleue ou le PayPal, c'est les deux. Si tu as un compte PayPal, tu rattaches à Facebook, tu peux. Donc, c'est comme ça que ça s'envoie les étoiles. C'est passé, voilà, c'est ça, ma fille. Ça passe. Quand tu essayes, quand tu choisis un petit bloc, tu envoies, ça passe. Il n'y a pas de souci. Donc, tu comprends? Hey, happy girl. Happy girl, tu as compris, non? 100 000 étoiles. 100 000 étoiles, c'est beaucoup. Hein? Ma Black Beauty, 100 000 étoiles correspond à combien en dollars? Hey, c'est beaucoup. Hein? Parce que quand tu touches, ça te dit combien d'étoiles tu peux envoyer. OK? Ça te dit peut-être les blocs, les blocs, les blocs, les blocs. Et maintenant, tu peux dire, je vais envoyer tant. 100 000 étoiles, c'est beaucoup d'argent. Hé, les malabos, les malabos, les malabos. Excusez-moi là pour les bloquer, maman, pardon. Faut pas dire. Ouais, problème de couple, pardon. Excusez-nous, maman.
Nous, on fait beaucoup de communication dans notre couple, on n'a pas de problème. Donc, même quand l'ingoïe déclare, là, ça n'arrive pas chez nous parce que nous, on ne laisse pas Facebook venir parler. On ne laisse pas Facebook venir parler dans notre foyer. Non, 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 non. Ce qui se passe sur Facebook, c'est le virtuel. Nous, on a une vie réelle, réelle, palpable, touchable. Donc, mon chéri, la reine mère, je suis en Haïti, je suis en misère, je veux l'argent pour aller à l'école, s'il vous plaît. Moi, déjà, ce genre de message, c'est des choses que je ne peux pas prendre parce que justement, je ne sais pas si ce que tu dis est vrai, si ce n'est pas vrai. N'importe qui écrit n'importe quoi, donc vraiment, c'est dommage. J'ai envoyé. Oh, mon bébé Stéphane, donc tu as vu la façon d'envoyer. Hein? Merci, ma fille. Hey, Stéphanie, ne finis pas le joyeux Noël de mes enfants. Hein? Hey, ma petite sister. Je ne vois pas le 500, mais je vois que j'ai 200. Donc, les 3 de mon ami Jacques et toi, ton 50. Le 500, peut-être, ce n'est pas encore arrivé. Ça va arriver. Je vois seulement 200, là. Mais ce n'est pas grave, c'est correct. Le bonus, en fait, je ne sais pas comment Zoukemba a fait ça. Je n'ai pas eu le temps d'aller lire pour voir le bonus, quoi. Et parfois, quand tu envoies, ce qui se passe, c'est quoi? Comme par exemple, quand tu envoies un gros bloc, ça te donne encore un autre que tu peux envoyer comme un bonus. Ça te donne un envoi gratuit encore. Oui. C'est-à-dire que tu peux envoyer un 500 ou un 1000 et ça te dit encore que tu as encore un crédit que tu peux envoyer une job comme ça parce que ça te donne un bonus. Oui. Ma Mimi, ma Blanche, ma Blanche. Et voilà Noël qui approche, ma Mimi. Oh, c'est comment, Mimi? Ma Mimi, ma Blanche. Comment tu vas, ma petite sista d'amour? Ma Mimi, ma Blanche, oh là là, ça c'est ma Blanche. Ma Mimi, Noël se passe même comment? Et ça dit que toi là, avec les bons menus, là, les menus manigutés là. Eh, ma Mimi est loin là-bas, là-bas, là. Et ta grande soeur, quand c'est toi, elle s'est déplacée. Le Noël se passe comment? Avec un peu de moelleux et le champagne. Moi, je dis que ce Noël, c'est que le champagne. Que le champagne. Voilà. On ne boit que ça. On boit les bulles. Tout le temps des fêtes. C'est-à-dire qu'à partir de vendredi soir, ça commence le champagne. Je bois que le champagne. Moi, je ne bois pas le vin, je bois que le champagne. Vous avez problème d'œil? Non, je n'ai pas problème d'œil. J'ai les cernes et j'ai les yeux larmoyants en ce moment. J'ai les yeux, je vous ai dit ça tantôt. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Mais c'est larmoyant. Je n'ai pas de problème d'œil. J'ai pas un problème en fait. Mais j'ai les yeux larmoyants en ce moment. C'est-à-dire que c'est vraiment larmoyant. C'est-à-dire depuis le matin que je me suis levée, ça fait ça. Mais je n'ai pas de problème. Voilà mes yeux. Ça, les poches gratuites. C'est naissance. C'est Jésus qui a créé ça comme ça. Donc, je n'ai pas de problème d'œil, ma chérie. Bon, je n'ouvre pas mes yeux très grands habituellement. Oui, ça, c'est quelque chose que. S'il faut que j'ouvre, j'ai quand l'impression que ça fait peur. Là. Donc, quand je parle, j'ai les yeux moins ouverts. Voilà. Et j'ai mes poches. Ça, c'est naturel et de naissance. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas de problème d'œil, Sylvestre. C'est comme ça que mes yeux sont aujourd'hui. J'ai les yeux très larmoyants. Voilà, très larmoyants. Merci beaucoup, ma Stéphanie. Je viens de voir l'autre 50. Merci, ma chérie. Donc, c'est ça. En tout cas, on fait avec. Je suis dans ma voiture, on a dit que je fais le PEP. Donc, j'ai un client là que je viens de déposer au compte des PEP. T'as descendu, client. On a dit que je fais le Uber. Comme si l'argent a la couleur. Voilà le boxeur de Ngoyi qui fume. Il a même 3 fûts dans la neige. C'est facile. Oh. Quand il fumait ici, il y a 5-6 ans, il se moquait. Oui, pas de complications. Pas de complications, ma chérie. Je m'aime jusqu'à le feu sort. Ils ne vont rien dire sur moi qui veut dire que ça a un problème. J'aime tout ce qui est sur moi. Oh ha! Oh ha! J'aime même la magie. C'est ça. Voilà, commence le Uber, mon bébé. Mets le Pepsi glace dans ta voiture, tu commences le Uber. Le Uber prend tout le monde. Tu fais ça. Ça fait quoi, dis donc? Fiche le camp. Tu travailles autonome même. Moi, je connais des amis qui font ça. Moi, ce qui m'embête, que j'ai jamais fait, c'est parce que je n'arrive pas à m'asseoir comme ça, à avoir quelqu'un derrière. Vous savez, j'ai suivi une émission une fois à New York, quelqu'un qui avait quelqu'un dans la voiture dans Uber, et puis on l'a enlevé la vie. Il y avait une histoire bizarre comme ça, je me souviens plus. Ça m'a un peu traumatisé. Donc, je me dis, mon Dieu, tu prends ta voiture pour conduire les gens, et puis on tue. Ah, non, 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 ça marche pas avec moi. Moi, non, non, moi, je peux pas faire.
Je peux pas. Je gagne bien ma vie, puis ça va. Je vends pas le piment, hein, ouais. Vends pas le pépère. Donc, je vous aime beaucoup. C'était la maman de l'heure juste. Vais devoir vous laisser. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Je vous aime bien. Passez un excellent mercredi avec la grâce divine. Je vous aime. Merci, mes fans. Sans vous, je ne suis rien. Merci. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Myriam, comment tu vas? Ma petite sista. J'espère que tu n'es pas proxénète. Non, 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 je ne peux pas amener les enfants à vendre le piment aussi. Moi, je conseille les enfants d'aller à l'école. J'ai demandé à ma fille Coco Kouetou même d'aller faire une formation. Elle m'a dit que ouais, ma reine, mais je dis que oui, bébé. Moi, j'ai 51 ans, je suis retournée à l'université, donc tu peux. C'est comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller conseiller aux enfants. Non, 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 non. Je conseille aux filles de retourner. Il n'est jamais trop tard. Quelqu'un m'a dit toujours, mais 51 ans, pourquoi encore? J'ai dit que mais pourquoi quoi? Ça dérange à quoi? Je fais travailler mon cerveau. Je fais que mon cerveau encore et voilà, c'est ça. Ça ne dérange pas. Je suis retournée propre. Je conseille de le faire. Donc, je ne peux pas amener les enfants à aller vendre leur corps. Non, non, non. C'est quelque chose que je ne tolère pas. Je n'aime pas. Je ne peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je ne suis pas proxo. Je ne le serai jamais. Je connais comment on travaille pour gagner son pain. Je connais comment on peut se battre pour améliorer les codes. Quel que soit l'homme, tant que tu as encore la santé, c'est tu es debout, tu fais ce que tu as à faire. C'est comme ça. Et quand tu veux aller loin, tu ménages ta monture et tu arrives. Tu finis par arriver. Pas les parasites qui marchent partout pour demander les 1 euro là. Comment ça va, ma Ducide? Hey? Tu m'as dit que quand on fait les dons, je te fais signe. On a fait tous les dons déjà. J'ai reçu les vidéos sur WhatsApp. Les dons de cette année, je n'ai pas mis en ligne. Les gens n'aiment pas voir les gens faire les choses. Donc, ils font un solo. On a fait les dons qu'on devait faire. Tu m'as dit que quand il y a les dons, je t'appelle. J'ai pensé à toi, mais j'ai encore oublié. Je n'ai pas mis en ligne. Tu aimes me voir mâcher le calabar? Ouais, Seigneur. Quand ils croquent le calabar, c'est comme si on me poursuit seulement. Le calabar est presque fini, hein. Ma fille au Sénégal, je ne sais pas s'ils ont le bon calabar au Sénégal. Il y a le bon calabar au Sénégal. Je demande à ma fille de m'amener un peu. Il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Merci, Laurette. Tu étais dans une classe avec une maman de 72 ans. Merci. Parfois, l'école n'est même pas pour le salaire ou pour. C'est même parfois pour le ménage. Que ton cerveau ne perde pas la capacité de. Voilà. Parfois, c'est ça. Oh, les gars, à la place de la femme là. Une femme qui sort. Oh, les gars, arrête là-bas. Je m'en vais. Bon, je vous aime, hein. J'allais travailler. J'avais un temps creux, j'ai dit, ben, je vous fais un petit direct. Là, je prends la place de la dame. Bon. Je vous aime bien, mais je me préfère. Bon, je vous aime bien. Je vais devoir partir. J'ai besoin des lunettes peut-être pour lire. Donc, je vous aime. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Okay? Dès que le moment se présente, que tu penses que tu as le temps dans ton emploi du temps, fais-le. C'est bon même pour les ménages. Voilà. Bisous, bisous. Hein.